reconnaissant. Merci, ô Père Saint de Saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Tu peux encore dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Père Saint de Saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le pauvre dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Tu peux lui dire merci, Seigneur. Est-ce que ce soir tu peux lui dire merci pour l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux lui dire merci pour l'œuvre de la croix ce soir? Est-ce que tu peux lui dire merci car il a pris ta place? Est-ce que tu peux lui dire merci car il a pris ta place? Est-ce que tu peux lui dire merci car il a pris ta place? Alléluia, alléluia, alléluia. Fidèle,
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu peux dire avec moi. Il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Jésus m'a aimé. Déclare encore une fois avec moi. Mon Jésus.
Yeah, you
Gloire, 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 hallelujah.
ta vie, comme un chant prophétique pour ta vie, où tu dis je lève le nom de Jésus au-dessus de mes inquiétudes, où tu dis je lève le nom de Jésus au-dessus de mes questions, où tu dis je lève le nom de Jésus au-dessus de la peur qui règne en ce moment dans le monde, où tu dis je lève le nom de Jésus au-dessus de mes enfants, au-dessus de tout, je lève le nom de Jésus, je lève le nom de Jésus, je lève le nom de Jésus. Est-ce que ce soir tu peux déclarer avec moi le nom de Jésus? Le nom de Jésus sera élevé. Oui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Déclarer le règne de Jésus.
Jésus. Sur nos pays, sur les hôpitaux, nous déclarons le règne de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer le règne de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer le règne de Jésus? Est-ce que tu peux prier pour ces gens qui sont malades, qui sont touchés par cette pandémie? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Si tu connais un frère qui prie, si tu connais une sœur qui prie, est-ce que tu peux partager avec lui ce soir? Est-ce que tu peux l'inviter à prier avec nous ce soir? Car deux valent mieux qu'un. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un ce soir? Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux lever ta voix ce soir? Est-ce que ce soir tu peux inviter le règne de Dieu dans ta main, dans ta famille, dans des hôpitaux? Prie même pour des gens que tu connais pas, des gens qui sont touchés par cette maladie, les familles qui ont perdu leurs proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a le cœur d'un enfant de Dieu, qui peut lever sa voix et prier pour quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur d'un enfant de Dieu, qui ne peut pas rester silencieux ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur, le cœur d'un enfant de Dieu ce soir, qui ne peut pas rester silencieux? Rabachere bébé ça. Et est-ce que tu peux prier? Can you pray for someone that is sick? Can you pray for a family that has been touched with the sickness? Can you pray for families that have lost the brothers, the sisters? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Can you lift up your voice and pray and pray and pray and pray? We declare the reign of Jesus. We declare that Jesus, only Jesus, shall reign in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Rebashere bebe sarababos. Assis sur ton trône, Seigneur. Tu règnes jamais. Déclare avec moi ce soir. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, assis sur ton trône, tu règnes jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, à la baboche, à la babosse. Hey, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, par ta grâce, épargne nos frères, épargne nos sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces frères et ces sœurs, même ceux-là qui ne te connaissent pas, qui sont dans des comas ce soir, Seigneur, c'est une opportunité pour toi de te révéler à eux, Seigneur. C'est une opportunité, Seigneur, pour tes miracles. Est-ce que tu peux te montrer, Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux sortir nos frères, nos sœurs de ces soins intensifs au nom de Jésus? Au nom de Jésus, nous déclarons ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir au nom de Jésus? Au nom de Jésus, pour les églises qui ont été touchées, nous prions, Seigneur, nous déclarons ton règne au nom de Jésus. Les églises qui ont perdu leurs dirigeants, leurs pasteurs, Seigneur, nous les laissons entre tes saintes mains, Seigneur. Règne dans ces églises, règne dans ces églises, Seigneur. Règne dans ces églises, Seigneur. Règne dans ces églises, Seigneur. Règne, Jésus, règne, Jésus, règne, Jésus, règne, Jésus. Oh, alléluia. Rebebos à la babesse. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Est-ce que tu peux dire règne, Seigneur? Règne, Seigneur. Est-ce que tu peux dire règne, Seigneur? Règne, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Le ténèbre a régné pour longtemps. Assez, oui, assez. Oh, Sarababos. Il suffit que tu dises un mot, Seigneur. Il suffit que tu dises un mot, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne ce soir. Règne, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, règne, Seigneur, règne, Seigneur, règne, Seigneur. Alléluia. Rabachere bebos. Toi, tu as peut-être une maison où tu peux rester, mais il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de domicile. Pendant que cette maladie est en train de frapper à gauche et à droite, où est-ce qu'ils vont partir?
partir. Qui peut le protéger si ce n'est pas ce Dieu? Qui peut le protéger si ce n'est pas ce Dieu? Qui peut le protéger si ce n'est pas ce Dieu? Oui, il y a des orphelins qui sont dans les rues. Est-ce que tu peux prier pour ces enfants? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, garde-les et protège-les? Comment est-ce qu'ils vont être à 2 mètres de l'autre ou à 1,5 mètre de l'autre? Parce qu'ils doivent demander, ils doivent mendier pour avoir quelque chose. Ils doivent se rapprocher des gens pour avoir quelque chose. Seigneur, qui prendra soin d'eux si ce n'est pas toi? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier dans ton esprit. Est-ce que tu peux voir une jeune fille, une fille, une petite fille, un petit garçon? Et prier pour ces gens, et prier pour ces gens qui n'ont rien, et prier pour ceux-là que le Seigneur les protège, que le règne de Dieu soit palpable dans leur vie. La
présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension. Dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, une autre dimension. Comparable.
miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux me dire? Nul n'est comparable à toi. Au Zazabé, au Salakabi. D'avoir passé
ce moment merveilleux avec nous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on va se retrouver la semaine prochaine pour un moment d'adoration. Un autre moment d'adoration. Si Dieu le veut, s'il le met dans mon cœur, pourquoi pas pendant la semaine, je vais passer aussi un moment d'adoration sur YouTube. Cette semaine sur YouTube, alors abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Rosny Kaïba. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Amen. On va passer aussi des moments merveilleux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Pour ceux-là qui ne savent pas, après le live, nous enregistrons le live et nous le mettons sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez adorer, si vous voulez encore passer du temps dans la présence des dieux. Avec cette vidéo, vous pouvez le faire. Alors, allez vous abonner sur notre YouTube et aussi sur ma page Instagram. J'ai un nouveau compte Instagram. Pour ceux qui le savent, mon compte Instagram a été piraté. Pour ceux qui le savent, mon compte Instagram a été piraté. Alors, j'ai un nouveau compte Instagram qui est Rosny Kaïba Official. Donc, si tu n'es pas encore sur ma page Instagram, s'il vous plaît, allez-y. Si vous n'avez pas le lien, envoyez-nous un message. Envoyez-nous un message et on va vous envoyer le lien de notre compte Instagram. Et aussi partager avec vos proches. Continuez à partager cette vidéo. Si vous n'avez pas partagé au début ou si vous étiez emporté par la présence des dieux, si vous êtes encore en train de prier, ne quittez pas. Continuez à prier. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas encore partagé, vous pouvez partager ce moment d'adoration dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook. Partagez cette vidéo afin que vous puissiez vous aussi bénir quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, j'insiste. Abonnez-vous sur le compte YouTube. Abonnez-vous aussi sur ma page, mon compte Instagram, mon nouveau compte Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette atmosphère de prière. Gardez cette atmosphère parce que les temps sont mauvais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous qui avons Jésus, nous ne serons pas bougés. Nous qui avons Jésus, nous ne vivons pas parce que nous voyons par la... Nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Amen. Nous vivons par la foi. Même si tout ce qui se passe dans le monde nous dit autre chose, nous croyons à la promesse que le Seigneur nous a donnée. De toute façon, nous avons été avertis. La Bible a tout dit sur le temps de la fin, sur les signes de temps de la fin. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, nous ne pouvons pas être surpris par ce qui se passe, parce que nous sommes préparés. Parce que nous sommes préparés et continuons à nous préparer. Amen. Continuons encore à nous préparer. Continuons à nous préparer. Demeurons dans la présence des dieux. Demeurons dans la présence des dieux. Car il n'y a rien de plus important que de demeurer dans la présence des dieux. Pendant ce temps, ou alors même après ces temps, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la présence des dieux.